Daniel 3. Pénalité de Papillard, Lons 5, Champagnol 6. Le président du Champagnol, quelle est ta réaction après la défaite du Vicomte face à Lons-Saunier? C'est vrai qu'on était super, bien sûr, hein, ça, faut pas rêver. Par contre, j'ai dit aux gars que c'était quand même qu'ils avaient fait un très très bon match. À la mi-temps, la première mi-temps est donc pour nous, la deuxième mi-temps, par contre, on est moins dans le coup et on perd le match sur trois fautes que l'on fait, c'est-à-dire sur une touche à nous dans nos 5 mètres. C'est Lons qui prend la balle, on perd deux mêlées pareil, donc ils nous remettent la pression. Bon, je veux dire, quelque part sur le match, on s'est battu nous-mêmes, je pense qu'on a fait du jeu et on n'est pas récompensé. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est un peu le problème qu'on a depuis le début de saison. On sait que c'est pas facile pour nous, mais je suis quand même fier de mes gars. Je veux dire, bravo à Lons, hein, ils ont gagné, on leur souhaite une bonne continuation. Et moi, je dis à mes gars, continuez donc à travailler comme ça, ça va porter ses fruits, et après, il y arrivera ce qui y arrivera. Voilà. Voilà, aujourd'hui, la défaite à Lons vous met encore perturbé dans le championnat. Pour réagir dès la semaine prochaine. Réagir dès la semaine prochaine, oui, bien sûr. Hein. La semaine prochaine, on reçoit le premier, donc ça va pas être tout simple. Après, on sait depuis le début de saison que ça allait pas être simple. Voilà, mais moi, ce que je veux dire, c'est que les gars, ils bossent, ils sont présents. On l'a vu aujourd'hui sur le match. Ils auraient très bien pu me regagner, mais bon, voilà, ça a quand même suivi plus à Lons sur mes propres erreurs que sur, pour moi, sur leur jeu. Merci. Bonjour Thibault pour les infos du sport, chaque président de Lons. Alors là, président heureux aujourd'hui, après la victoire 18-12 face à Champagnol. Bien sûr, deux victoires dans un derby pas facile à jouer, dans des conditions climatiques pas faciles, un terrain gras, un ballon glissant. Donc le meilleur à remporter, on était mieux physiquement, on a eu un peu peur, mais ma foi, le principal, on tiendra que la victoire. Alors, dès dimanche, vous recevez encore à domicile. Il faudra
absolument gagner pour faire l'écart. Oui, oui, dimanche nous recevons à Nonnet, là, dimanche de rattrapage. Là, l'équipe ne sera pas la même en face, hein, une autre opposition, plus technique. Donc on s'attend à un autre combat. Donc aujourd'hui, c'était plutôt un match de, on peut dire, de reprise, après 5-6 semaines d'ininterruption. Donc c'est toujours délicat de reprendre le chemin du stade. Eh bien, merci. Boisson Thibault pour les infos du sport. Je suis avec un joueur de Champagnole. Quel est ton sentiment après la défaite du sentiment un peu de déception parce qu'on attaque une bonne première mi-temps, on ne réagit pas au départ. On savait que ça allait être chaud les 5 premières minutes. Voilà, ça a été chaud. Après, on a pris le jeu à notre compte. On a mis ce qu'on avait en place. Ça s'est bien mis en place. Deuxième mi-temps, on baisse de niveau. Ils font des belles copettes. Ouais. Voilà, ils ont pris le jeu à leur compte. Et puis nous, on n'a pas su sortir de ces mots, les redynamiser. Après, voilà, bravo à Lons. Et puis en espérant que les deux clubs se sauvent. Parce que bon, c'est quand même le rugby jurassien qui doit avancer avant tout. J'espère que les deux, on arrivera à se sauver et puis que voilà, ça ira faire encore la fin de saison. Merci. Boisson Thibault pour les infos du sport. Je suis avec un joueur de Lons. Quel est ton sentiment après la victoire 18-11 face à Champagnole? C'était un match très difficile, avec beaucoup d'envie des deux côtés. Donc, c'est vrai que c'était un match, un derby, donc très compliqué pour les deux équipes. On s'est battu avec nos armes, Champagnole aussi. Et c'est vrai que Champagnole a fait très bonne figure et nous aussi. Donc, et on espère que, voilà, que le CSL va se sauver. Que, et voilà, et moi j'ai repris le rugby cette année, là au premier match aujourd'hui, ça a été très dur pour moi. Voilà. Ok, eh bien merci. Boisson Thibault pour les infos du sport, je suis avec l'entraîneur de Lons. Quel est ton sentiment après la victoire 18-11 face à Champagnole? Très satisfait. Maintenant, il reste beaucoup de travail. On a réussi à gagner le match sur notre point fort, les groupés pénétrants. Bon, le temps s'y prêtait pas pour envoyer des ballons derrière. Là où je suis très très satisfait, c'est au niveau du travail qu'on a fait au niveau de la défense. Et l'intégration de Maxime Mollard a été hyper importante pour nous. Il a été impérial au niveau de la défense. On a eu un cœur jusqu'à la fin, parce qu'on a encore joué pas loin de 5 minutes d'arrêt de jeu. Voilà. Maintenant, je souhaite bonne chance de fin de championnat à Champagnole. Pour nous, tout reste à faire. Déjà dimanche, compte à Nonnet. Ah ben merci.